prenons pour renforcer les partenariats industriels et commerciaux avec les opérateurs économiques algériens. Donc l'objectif, en rendant visite ici aux acteurs qui fabriquent et produisent en Algérie, c'est de prendre connaissance de leurs capacités, d'une part, mais également de discuter avec eux des opportunités qui peuvent exister pour soit développer davantage ici de projets en lien avec les opérateurs français, et également échanger sur les différents secteurs que les industriels comme Condor, qui sont présents sur de très très nombreux domaines d'activité, souhaitent développer aussi dans le futur. Écoutez, surtout, moi ce que j'ai vu ce matin, c'est que le groupe Condor, déjà, est un groupe industriel très diversifié, donc qui dispose de capacités de production impressionnantes et importantes, qui a déjà consenti de très nombreux investissements. Ce que j'ai également vu, c'est qu'il continuait à investir, et que donc, dans le cadre de sa stratégie, aujourd'hui, il avait l'ambition d'accroître ses capacités et d'augmenter l'intégration locale, donc de porter sa capacité de production réelle en consentant davantage d'efforts pour être en mesure de répondre à l'ensemble des objectifs qui sont définis de manière générale par, dans le cadre défini par les autorités algériennes. Et puis, ce que je constate également, c'est que à travers les différents domaines qui sont ceux dont Condor a fait sa spécialité, eh bien, il y a encore certainement des opportunités à explorer ensemble pour contribuer justement à la diversification des différentes productions engagées. Cette visite qui est très importante pour nous, notamment après un gel un peu à cause de la pandémie toute la planète a vécu. Maintenant, on espère renouer des relations économiques importantes avec la République de France. Il y a des potentialités énormes chez nous, chez Condor, chez le groupe El Hamadi, pour coopérer ensemble et aller vers l'avant. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس